Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathanou et bienvenue dans ce 100e épisode de Fire Emblem Warrior The Three Hopes. J'espère que vous allez bien. Nous allons, dans cet épisode, nous attaquer à Aylay, la vallée du tourment. Il ne vous reste, on s'en fout. Franchement, l'épreuve d'Aylay, on s'en fout le jeu, qu'il nous reste des points, qu'il nous reste des machins. Je veux faire progresser l'histoire là, pour le coup. On va sauvegarder, évidemment. Puis voilà, je pense qu'on a un chapitre encore derrière, mais et qu'on devra attaquer la capitale. Nous atteindrons bientôt Aylay. Le royaume de l'Église approche par l'ouest et nos amis de l'Alliance par l'est. Nous savons comment ils se déplacent, il est donc probable qu'ils savent également comment nous nous déplaçons. Cette ultime bataille sera intense et sanglante, mais quoi qu'il arrive, nous devons en sortir victorieux. Cette ultime bataille, après c'est peut-être la dernière bataille, hein, cela dit. On a au moins l'avantage du nombre. Quoique le royaume possède toutes ses reliques de héros, ce qui n'est pas de notre avantage. On va devoir rester sur nos gardes et tous agir de concert. Hors de question que quiconque fonce tête baissée pour jouer les héros. Je vais dire que la température monte, mais c'est en fait le sol qui est littéralement en train de brûler. Quelle chaleur accablante. Qui a eu l'idée de se battre ici déjà? Je préfère le trop chaud que le trop froid. Le froid, ça vous ralentit. Je me moque d'avoir chaud et froid tant que je suis dans ma chambre, la porte verrouillée. Suis-je seul que les mots ultimes, bataille et sanglante rendent un tantinet nerveux? Un peu de sérieux. Montrez que vous êtes fier de servir dans l'armée du plus grand empire que le monde ait connu. Pas besoin d'angoisser tout le monde, Ferdi. Quand on déteste la guerre autant que moi, on apprend à apprécier les moments de légèreté. Je suis bien d'accord. Bien, et si montrions à ces partisans de l'immobilisme ce qu'est la vraie puissance? Manquons-nous là, et si nous montrions? Ils n'ont aucune chance. Aux armes. Aujourd'hui, nous serons victorieux pour le bien de tous. Venez à bout de l'armée du royaume et de l'église de Seiros. L'ennemi s'empare du point de défense. Permutation, sabotage de bastion, ben on prend les trois, on n'a pas le reste. Et tant pis. Alors, évidemment que nous prenons chaise. Ensuite, Edelgard, tu es niveau 42, tu es un peu basse. Vernalta, c'est donc je vais le virer, simplement. On va prendre Ferdinand, je pense que c'est pas mal. Linhart, tu y es ou pas? Moi je contrôle ce en cercle. Donc on va prendre Linhart, il y est déjà. On va virer Kaspar, évidemment. Est-ce que... Alors Léonie fait des trucs. Yori, évidemment. Ah, Yori est cool. Et est-ce qu'on a des... Bailes qui fait quelque chose ou pas? Bailes, elle fait comme Yori. J'arrête ça, il est ok. On va prendre j'arrête ça. On va derrière garder. Est-ce qu'on garde Hubert? On peut. Je suis pas sûr que ce soit nécessaire. On va virer Ferdinand. Est-ce qu'on met Geralt? Non. Est-ce qu'on met Bailes? Peut-être. On peut mettre Bailes en vrai, non. Shamir. On va mettre Shamir, évidemment qu'on met Shamir. Là, il faudrait peut-être que je la prenne Shamir plus. On va juste lécher Shamir comme ça. Lécher. J'ai dit lécher Shamir? Non, laisser Shamir, j'ai dit. Lécher Shamir. Non. Ça va pas le faire, là. On avait rien entendu. Alors, Bernadette, ça, ok. Bon, en vrai, c'est bon, c'est pas mal, là. En vrai, c'est ok. Allez, on part sur ça. Je suis fatigué, hein. Il est 15h43, là, je suis claqué. Ok, il y a une cinématique. C'est clairement la dernière bataille, du coup, hein. Chapitre final. Ça pourrait m'arranger, du coup. Entre guillemets, c'est le 100e épisode, donc on clôturerait le chapitre. L'Empire, l'Alliance, le Royaume, et même l'Église. Je n'aurais jamais pensé que nous nous retrouverions dans un lieu si exigu. Attendez, est-ce que quelqu'un a aperçu les chevaliers de Seiros là-dedans? Je me demande même s'ils sont là. Dommage, Dimitri, t'aurais pu être un avec nous. Nous frappons l'ennemi, l'armée impériale aujourd'hui. Ne vous laissez pas distraire par l'Alliance. Oui, à vos ordres. La fête a déjà commencé, hein. Dommage que nous n'ayons pu l'organiser pour quelque chose de plus civilisé. Est-ce que ça vous gênerait d'être sérieux pour une fois, Claude? Jamais. Évidemment, ils sont en piaf. Mais c'est pas les piafs, tout à fait. C'est pas les piafs. Pour la dernière fois, Flayne, je suis contre. Il n'est pas trop tard pour se replier.
Je sais pas, la dernière fois, j'ai l'intention de me battre. De plus, le combat va commencer, il me semble. Eh bien, vous n'avez qu'à donner l'ordre, Edelgard. Bien, notre espoir réside en vous. Brave guerrier d'Adrestia, le temps est venu de démontrer la valeur de l'Empire, pour prouver notre suprématie. Tous ceux qui se mettront en travers de notre chemin seront abattus. Maintenant, attaquez comme un seul homme. Vous compterez sur la sagesse et la force de l'Alliance à partir d'aujourd'hui, Claude. Concédez vos défenses et avancez sur l'avant-garde ennemie. D'après nos renseignements, l'ennemi a pour but de percer notre ligne défensive et de traverser la vallée. Nous devons l'en empêcher. Soit les bastions est venu à bout de l'avant-garde ennemie. Empêchez la chute du point de défense. Ok, il est en bas. Je vais les charger. Réduisez les défenses en miettes. Ah, évidemment, avec ça, c'est pas le bon endroit. Tata. Ah, voilà, Yuri, c'est mieux. Et c'est qui que je contrôle d'autre? Tata la ta. Tata la ta ta ta. Ah, Linhart. C'est parti où, Linhart? Viens avec nous. Leave this to me. Et vous, je vous laisse là. Hein. J'ai entendu des histoires troublantes sur la cavalerie de Fergus. On va avoir des ennuis si nous n'aimions pas très vite. Félix vient d'apparaître. Ah. Il est bien ce remix. C'est déjà une musique que j'appréciais beaucoup dans Three Houses. C'est mon tour. Je vais me tailler un chemin à travers l'ennemi. Ah, du coup, je suis pas d'accord, Félix. Ta la ta ta. Pas tant que je suis là. Mais tu n'es pas là. Attention au sol. Un seul faux pas causera une douleur excessive. Il est en train d'attaquer la roche ardente. Forteresse tombera en un rien de temps. Bah désolé Félix. Hein. Très bien, cela fera l'affaire. Tiens encore sur mes jambes et je peux tenir une épée. Ça veut dire que je peux continuer à me battre. Nope. Je crois pas, Félix. Tu fais découper. Ah, ce ne sont pas quelques égratignures qui vont m'arrêter. Baisse les armes, Félix. Sylvain a volé secours. A volé au secours de Félix. Sylvain, José Gauthier, c'est un miracle que tu puisses encore tenir debout. Maintenant, laisse-nous nous occuper du reste. Tu ferais bien de revenir vivant, Sylvain. Ou alors... Je te bute. Mais ça n'a aucun sens. Eh oui. Ah oui, ça m'a chargé deux barres d'un coup, quoi. J'espère que tu me regardes, Ingrid. Aujourd'hui, je vais te venger. Il n'y a pas le contrôle de la roche ardente. Bah non. Not like this. Frappez leur flanc droit, c'est là que l'armée est le plus faible. Ah, ils vont se placer jusqu'ici. C'est pas juste. C'est vrai que c'est pas juste. Il faudrait que j'envoie quelqu'un. Là vous les trouvent de l'arme. Et... Ils vont pas laisser l'ennemi passer. Blablabla. Bla, bla. Alors du coup... Okay. Vous voyez, j'arrive ça. Ça me paraît très bien. Et oui, tu vas là. J'espère que tu es prêt à séparer ta tête. Parce que j'ai l'intention de déposer sur la tombe de mon ami. Pas la kill, hein. Là, se bat avec un handicap. Ouais, mais t'es en train de cramer là. Pourquoi tu te bats là en fait? Un bêta. Ça c'est mieux. Ta 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 ta.
Ta-ta-ra-ta-ra-ta. Aïe. Il n'y a rien comparé à la douleur qu'elle a ressentie. Pardonnez-moi, votre majesté, que la chance soit avec vous dans la bataille. Berib, Sylvain. T'as rejoint ton papa. Et Félix est déçu du coup. Vous avez vaincu Sylvain, bien joué, Linhart. Non, pas toi non plus, Sylvain. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Arrêter la guerre et être avec nous en fait. Hein. Bah, est en difficulté. Ça va pas du tout. Mais laissez-moi tranquille, quoi que vous vendiez, ça ne m'intéresse pas. Je crois pas qu'ils vendent des choses, mais. Ah, ça, vaincu le fossoyeur. Il est trop fort, j'arrive ça. J'avais oublié. Hop. Défendu ça. Merci d'avoir volé à mon secours. Je ne sais pas comment les choses auraient tourné sinon. Nous manquons suffisamment d'effectifs comme cela, Hilda. Nous devons toutes deux être prudentes. Bon, elle est où là du coup? Capture des bastions. Voilà, j'ai vaincu l'avant-garde. Nous avons gagné un avantage précoce. Vous vous êtes bien battu. C'est déverrouillé du coup. Enfants amis sont apparus et avancent vers la main impériale. Si nous continuons ainsi, la bataille pourrait bien se terminer avant même d'avoir commencé. C'est troublant de voir à quel point nous nous en sortons bien. J'espère que ça veut dire que nous dirigeons vers une victoire rapide. Pas de raison, hein. Aïe. Toi, tu nous fais mal, par contre, là. Ta-ta, là. Ta-ta, là, ta-ta-ta-ta. Ta-ta, là, ta-ta-ta-ta. Alors, attends. Là, on est deux ici, ça va pas du tout. Toi, viens là. Yori. Yori, t'es là-haut. Shamir, t'es où, Shamir? Toi qui t'es forte contre ceux du milieu, là. T'es passé où, Shamir? What? Ah, elle est là, je la voyais pas. Par contre, barrez-vous, vous. Non, restez pas là. Leave this to me. Leave this one to me. Ta 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 ta. On est trois maliciens ensemble. Et toi, tu vas crever. Hop. Bon, pour le moment, c'est que j'ai un passage. Si on trouve un moyen de stopper la lave. Ok, on va trouver un moyen de stopper la lave alors. C'était où? C'était là? Probablement. Donc je préfère l'attaque à la défense. Je trouve que cette histoire n'y a rien qui vaille. Flame vient d'apparaître. Et soignez vos blessures, faites preuve de prudence là-dehors. Bah non. Désolé Flame, mais on va devoir t'éliminer. Fais une soigne avec Echo Magie Blanche. Nabu de Flame. Et là-haut. Qu'est-ce que c'est? La réincarnation de Sainte Catalane. Ah bah t'es là et finissons là. Regardez ce rocher, mais je me demande si nous ne pouvons pas en servir pour bloquer la lave et atteindre l'autre côté. Si, probablement. Bloquer la lave avec un rocher et avancer vers Flame. Ah, nous capturons un bastion déjà. Est-ce que j'arrête ça? T'es fort contre Flame? Oui. Du coup, voilà. Déplacer le rocher. Ta 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 ta. Bien bon, ses alliés viennent d'apparaître. Ah. Ça c'est pas bon par contre. Il y a trois au milieu. On va Yuri, je crois, je pense. On attaque avec de la magie. Hop, on attaque une défense à distance, nous devons les arrêter. Ta 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 ta. Ok, il a poussé le rocher. Un temple fut de lave a modifié le terrain. Nous allons pouvoir faire traverser nos troupes maintenant que le sol s'est refroidi.
là, elle va créer un nouveau chemin. Parfait. La voie est libre, en avant. Talala. Elle a un peu contre le chef de bastion là. Bam. On a perdu ce contrôle là. Peut-être se casser les dents ici. Yuri, tu te démerdes ou pas, Yuri? Pas sûr. Pourquoi devons-nous nous entretuer comme ça? Vous êtes tous frères et sœurs. C'est beau la naïveté. Non mais désolé Flame, mais rejoins-nous en fait. Ça suffit hein. Yuri a vaincu Grimori. Je vais pas toucher l'autre derrière? Ah si, quand même. Au lieu d'un coup. Ah merde, attendez. Il y en a qui arrive là, hein. Ça va pas du tout. Flame. Elle est là. Et ce rocher pour arrêter la lave et créer une route. Ils ont fait la même. Au Royal, on bloquait la lave et créé un chemin. Donc, un accès direct à l'ennemi à l'attaque. Évidemment. Les renforts ennemis sont apparus. Arrive à la grotte. C'est un bon endroit pour construire une route. Je vais essayer de les arrêter, mais je ne peux y arriver seul. J'ai vaincu Flayne. Flayne, ça suffit. Mets-toi en sécurité. Très bien, mon frère. Je te jure de ne pas te mettre en danger pour rien. Mon père, on dit. Pas possible, ça. Il a vaincu Flayne, les portes du bassin sont ouvertes. Hop, on n'irait pas plus loin. Les deux viennent d'apparaître. Il est dit. Paf. Toi tu vas aller en bas, tu vas aller des Claude. Toi tu vas aller reprendre ça avec eux deux. Et Yuri, on va aller. Yuri, tu. Pourquoi tu. Mais. Pourquoi je peux pas changer de perso? Mais. Je peux pas changer de perso? Il fait ça tout seul? Ah ouais putain, je pouvais pas changer de perso. C'était bugué, je pouvais pas. Ah, Yuri il a des lignes là. Mais il a tout buté, très bien. Donc je vais Yuri. Donc là ne m'enchante pas, je n'ai pas d'autre choix que de. Ouais, il les a tous butés, on est bien d'accord. C'est Flèche et Rodolphe, c'est ça? Randolph. Tata, tata. Ok, faut que je retourne là-haut. Ça l'empêche de m'agresser. L'attaque. Suivez-moi. Hop. On va reprendre ce bastion-là. Aucune raison qu'il nous l'ait piqué. Oh là là, ça c'est bien. On va aller le coup, taper lui. On va le récupérer. Hop. Faut que je me mette à niveau. Ça veut dire qu'il a servi à rien en face. Même pas un minimum. Aucune résistance, en même temps c'est vrai. Hein. Ça devrait empêcher d'attaquer le flanc est. Bien après le contrôle,
Ouf, tu galères beaucoup la chaise. Qu'est-ce que tu fais? En peine. Défaite. C'est qui en peine? C'est Hilda? Attendez, deux secondes. Vas-y, tu peux aller l'aider peut-être. J'arrête ça. Je vais aller l'aider plutôt. Hop. Allez, zou. On en finit là un peu. Shamir. Chaise. Chaise avec Shamir. Je peux pas lui dire de venir. Non, elle est pas dans mon rayon. Ah, si, voilà. Ah, bah si, c'est ça. Je peux faire ça. J'avais zappé que je pouvais faire ça. Complètement zappé, hein. Naboo de déduit. Mais je peux faire ça avec les persos que je ne contrôle pas. Bah oui. Je peux juste pas échanger, quoi. Let's go. J'avais complètement zappé ça. Ça m'est revenu, là. Ce qui est pas négligeable, hein, quand même. Au revoir, début. Est-ce qu'il y a qui avec toi? Voilà, t'as Hubert, Linhart. Recule des dus, s'il te plaît, je ne peux pas me permettre de te perdre. Hop. Hop. C'est quand même pas Hilda qui est morte là. Non. J'ai cru. Dégagez-vous là. C'est un peu en plein milieu là. Hop. Voilà. Bon, bah on va aller capturer ça. Oh. Il a pris super cher. Et il prend plus rien. Ok, vous avez vaincu l'arrière-garde. Voilà. Ça me dépasse, mais je n'attendrai pas jusqu'à ce que ce soit fini. Je pars au combat. Je forcerai chacun d'eux à se rendre ou ils périront tous. Ou alors c'est toi qui meurs. Dimitri avance vers le point de défense. Ou alors, spoiler, c'est toi qui meurs. Courage à présent, le temps est venu de mettre un terme à notre guerre avec le royaume. Roi Dimitri occupe l'attention de la pire. De l'Empire. Brisez ses défenses. Dès que je prends un coffre. Hop, quelle belle coordination, je suis presque impressionné. Interceptez-les immédiatement. Alors attendez. Et sur Dimitri. Là. Et je vais dire à Bernetta de venir aussi, hein. Passage. En plus, et Yori, Yori. Qu'est-ce que tu regardes? Paf. Pêche sur le point de jeter les armes. Ah bah non. T'as capté que c'était la full merde en bas là. Attaquer, il n'en avait pas une chance de riposter. Quel est le paysage rocheux aride. Cet homme est d'une force de la nature, les officiers ordinaires n'ont aucune chance de le stopper. Vas-y Yori. Protège-les comme il faut. Quelle est cette folie? Ce n'est pas de votre tête que je convoite. Les vaincus, c'était. Voilà. Corps battu. Mais je dois vivre pour Flayne. Ça s'est battu en retraite.
C'est l'assistant de l'archevêque, mais aucune... Tant que c'était ce repli, le reste se repose sur mes épaules. Notre conflit se termine ici. Je veillerai à vous éliminer de mes propres mains. J'affronte le roi le Fergus lui-même. Je n'ai pas l'intention de reculer. J'arrête ça non plus, hein. C'est un peu éclaté, mon pauvre Dimitri. Sacrer mon propre corps s'il le faut. J'offre chaque particule de mon corps pour l'avenir de Fergus. Bah ouais, mais c'est con. Tu pouvais pas juste t'allier avec nous. C'est fini. Qu'est-ce qu'il a capturé? Il a rien capturé du tout, Dimitri. Écartez-vous quand je vous force à le faire. Juste au moment où j'allais mettre un terme à sa vie. Pas du tout. Le pire, c'est qu'en plus, c'était... servait sur nous comme une tornade, mais nous n'avons plus brisé son élan. Surtout qu'Edelgard et Dimitri, quand ils étaient jeunes, ils avaient une relation... de proches, quoi, presque frères et sœurs. Nous avons repoussé le royaume de l'église. Cette guerre n'est pas finie. Nous devons traquer Dimitri et mettre fin à cette lutte. Ah bah, c'est peut-être pas l'ultime bataille, alors. Peut-être effectivement pas la dernière bataille. Niveau terminé. Non. Il faut aller en faire aigu, du coup, je suppose. Ou pas. Il dirait bien qu'on a gagné. C'est grâce à vous. Je dirais plutôt que c'est vous qui avez le plus contribué. Le royaume et l'église comptaient beaucoup de combattants aguerris dans leur rang. Sans vos mercenaires et vous, nous aurions vraiment été en difficulté. Même a été impressionnant. Cette bataille n'a pas semblé vous poser quelconque problème. Mais j'apprécie votre compliment. Je suis heureuse que nous ayons eu l'occasion de nous battre côte à côte. Moi aussi. Mais la guerre n'est pas encore terminée. J'espère que vous resterez jusqu'à la fin. Soyez-en assurés. Démon Cendré s'est révélé être encore plus grand atout qu'on l'imaginait. Il doit être soulagé de constater que tu avais vu juste. Mon rôle de partenaire de destin devait être beaucoup plus simple à partir de maintenant. C'est difficile à imaginer. Ah bah là, parfait. On a bien géré. Parchemin de Talos. Niveau 51. Hop. Paf. Collectionneuse niveau 3. Point de renommée obtenu 18. Pour le prochain chapitre. Un message urgent vient de nous parvenir, Votre Majesté. Dimitri a forcé un passage vers le sud pour battre en retraite. Il a fui le champ de bataille. Qui plus est, Seteth, le bras droit de l'archevêque, a pris la fuite en direction du nord. Ils ont perdu sa trace et celle de son armée. C'est Dimitri qu'il faut poursuivre. Les choses sont compliquées si nous le laissons s'échapper. Nous sommes les plus rapides, laissons-nous le prendre en chasse. Simplement, n'oubliez pas d'envoyer les renforts. Entendu? Vous deux, je veux que vous suiviez Claude. Ce n'est pas que je ne lui fais pas confiance, mais je veux juste m'assurer que nous appréhendions Dimitri nous-mêmes. On s'en charge. Maintenant que j'y pense, il y a autre chose qui est inquiétant. Qui, où était l'archevêque? Qui est devenu l'armée principale des chevaliers de Seiros? Rhys serait délecté d'une bataille comme celle-là, pourtant elle reste introuvable. Oh non. Hubert, laissez-moi vous poser une question. Après que l'archevêque a fui Garrigmach, nous ignorons totalement comment elle s'est rendue jusqu'à cette vallée, n'est-ce pas? C'est exact. Nous avons retourné chaque pierre en vain, et ce n'est pas par chance que nous avons retrouvé sa trace à Aelel. C'est ça qui nous a permis de comprendre qu'elle avait pénétré dans le royaume. Sans cette découverte, elle serait restée introuvable. C'est bien ce que je pensais. Qu'y a-t-il, Ferdinand? Garrimac est-elle en danger? Je le crains. Il pourrait y avoir un passage secret entre la vallée et le monastère, un passage seul connu de l'église. Auquel cas, l'archevêque pourrait l'avoir emprunté pour orchestrer une attaque surprise sur Garrigmach. Ce n'est pas impossible. Hubert, qu'en pensez-vous? Je vais mener mon enquête. Je n'ai guère de doute quant à la théorie de Ferdinand. Nous devrions considérer que ce passage existe bel et bien et agir sans plus attendre. Bien sûr que j'ai raison, je salue votre clairvoyance. Dans ce cas, nous allons scinder notre armée. Le gros de la troupe continuera le siège de Galatea. Et le tiers restant marchera avec nous en direction de Garrigmach à la poursuite de Dimitri. Aucun signe d'eux. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Je me disais juste que le moment était enfin venu. Pourquoi c'est Aliar qui parle? What? Pourquoi c'est Aliar qui parle? Ok, bah c'est un bon cliffhanger pour l'épisode 100. On s'arrête là. Non, mais qu'est-ce qu'il nous fait, Aliar? Quoi? Bah écoutez, on va découvrir ça ensemble, ce sera la fois prochaine.
Donc après la semaine sur prochaine, a priori, moi, ça sera dans 2 semaines, enfin 2 semaines plutôt. Bref. Ciao, ciao tout le monde, et à la prochaine!